Avec cette vidéo, nous allons voir dans le détail les conditions, les critères pour être recruté sur Parcoursup, dans le domaine évidemment des IFSI, des écoles d'infirmières, à partir d'un exemple, celui d'Alexis Joubert, qui a été retenu dans 67 IFSI. Il a candidaté en tout dans 70 et 67 ont retenu sa candidature. Donc, bien évidemment, on peut parler d'un record, puisque c'est le premier résultat sur Parcoursup en IFSI. Ceci est le résultat d'un travail accompli avec le site parcourspostbac.com. Donc, je m'appelle Alain Nibaldi, je suis formateur, professeur en classe propédeutique en IFSI depuis 27 ans. Jury au concours infirmier et je participe dans le cadre des actions menées par le site parcourspostbac.com à la rédaction, à la conception des dossiers Parcoursup. Et donc j'ai moi-même administré et conseillé Alexis Joubert au niveau du choix des IFSI et de la rédaction de son dossier. Donc Alexis Joubert a 18 ans, il a un bac ST2S. Et il nous a autorisé à publier sa photo pour mieux comprendre, faire une radiographie en quelque sorte de cette réussite. Cela a commencé par le choix des IFSI. Et là encore, il est important de bien souligner que vous serez amené à choisir des regroupements. Le nombre d'IFSI varie à l'intérieur de chaque regroupement. Et là, nous avons opté pour Marseille, Nice et Lyon-Lille, ce qui représente 67 sous-vœux, hein, puisque un vœu, c'est infirmier, et sous-vœux, il s'agit des écoles prises unitairement. Alors, petit rappel, en France, il y a 327 écoles d'infirmières. Vous serez limité à 5 vœux. À l'intérieur de ces 5 vœux, vous avez donc plusieurs regroupements d'IFSI qui varient de 13 à 20. Donc, ce qui fait que si vous faites entre guillemets carton plein, si vous recrutez uniquement, enfin si vous candidatez, pardon, uniquement dans le secteur infirmier, eh bien vous allez candidater entre 50 et 70 sous-vœux. Voilà. Évidemment, la question ici est celle de la mobilité. Si vous habitez Grenoble et que vous n'avez pas la possibilité de déménager, bien évidemment, vous ne pourrez pas candidater dans 70 IFSI et ce raisonnement est identique si vous habitez dans telle ou telle ville. Donc, bien évidemment, la mobilité est un facteur de réussite sur Parcoursup. Je compare souvent ça à un jeu de tir à l'arc. Vous avez plus de chances d'atteindre une cible si vous tirez 5 flèches que si vous tirez une seule flèche. C'est une question de bon sens. Alors, pour avoir une idée un peu plus précise, ce dossier a été administré cette année, en 2021. Les chiffres ici sont ceux de 2020, pour que vous ayez une sorte de idée plus ou moins générale de Parcoursup en termes de recrutement. On compte à peu près 100 000 candidats par an, donc 103 000 en 2020. Il y a 300 et quelques IFSI avec une centaine de places par IFSI. Donc, vous faites la multiplication. Vous arrivez à 30 000 places. Donc, grosso modo, un candidat sur trois est recruté sur Parcoursup afin d'intégrer une école d'infirmière. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir dans le détail le dossier d'Alexis. Nous examinerons également deux dossiers complémentaires et je vous communiquerai également les pourcentages d'accès à l'intérieur de Parcoursup par région. Donc, un outil vous permettant évidemment d'augmenter vos chances d'intégrer une école infirmière. Puis, bien évidemment, vous aurez la possibilité de me rejoindre sur www.parcourspostbac.com. À la fin de cette vidéo, nous ferons une présentation de parcours post-bac. Alors, le point important à partir duquel nous devons démarrer cette analyse, le point
Le plus important, c'est le dossier scolaire. On ne parle pas de dossier scolaire sur Parcoursup, on parle de fiche à venir. Donc la fiche à venir est véritablement un élément crucial, c'est véritablement le point de départ du recrutement Parcoursup. Qu'est-ce que c'est que la fiche à venir? Mais c'est tout simplement la synthèse de votre parcours scolaire par votre professeur principal, le chef d'établissement, puisque durant l'année de terminale, vous serez noté à partir de plusieurs avis. Donc là, vous avez la grille officielle à partir de laquelle votre dossier scolaire sera retranscrit en fiche à venir. Et donc l'appréciation du professeur principal s'articule à partir d'une appréciation avec favorable, très favorable, peu favorable, etc. À partir donc de l'analyse de votre méthode de travail, de votre autonomie, de votre capacité à vous investir, votre engagement citoyen. Et le chef d'établissement donc valide à partir donc de trois avis, pas favorable, favorable, très favorable. Et cela est complété par le niveau de la classe, c'est bon, bon, moyen. Donc cette notation, évidemment, est l'élément le plus important, un des deux éléments, nous verrons le second. Bien évidemment, si vous avez 10 sur 20, donc ça signifie aucune mention, vous ne serez pas, je dirais, avancé, puisque les candidats qui disposeront d'un niveau en assez bien, risqueront bien évidemment de vous doubler. Alors évidemment, ensuite, il y a d'autres paramètres, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous remplissez votre dossier Parcoursup, votre niveau scolaire est introduit, retranscrit à partir d'une fiche à venir, et évidemment, vous devrez compléter ce dossier scolaire à partir de la rédaction du fameux projet motivé, mais les personnes en général parle du projet motivé, mais le projet motivé, c'est un élément sur six. Puisque voici le contenu du dossier Parcoursup, il est constitué donc de la fiche à venir, nous l'avons vu, et de six documents que vous devrez rédiger. Tous ces documents sont plafonnés en 1500 caractères, et ces différents documents, où vous devrez donc décrire les raisons de votre motivation, toutes vos expériences en matière d'encadrement et d'animation, toutes vos expériences en matière de bénévolat et d'engagement citoyen, vos activités culturelles, votre ouverture sur le monde, la description de vos stages et expériences et vos préférences en termes de vœux. Donc, si vous cumulez ces six documents, eh bien évidemment, vous avez une vue, une connaissance très large du candidat, complétée par l'avis du professeur principal et l'avis donc du chef d'établissement. Donc, en d'autres termes, un dossier Parcoursup est constitué de deux éléments, la fiche à venir et donc les fameuses six rubriques rédigées avec grand soin. Pour noter donc ces différents éléments, évidemment, on s'appuie sur des critères. Sauf que si vous lisez les textes à l'intérieur de Parcoursup, vous ne trouverez jamais le mot critère, puisque ce mot critère est banni de Parcoursup et il a été remplacé par attendu. Alors, les attendus, qu'est-ce que c'est? Mais c'est très simple, il suffit de se référer au texte officiel. Donc, voici les cinq critères à partir desquels votre candidature sera évaluée sur Parcoursup. Donc, vous serez noté sur 10 par une commission constitué de professeurs, donc ça signifie que c'est bien un professeur, une personne qui note votre dossier, puisque on entend souvent dire que c'est Parcoursup qui note, mais pas du tout. Parcoursup ne note pas. Parcoursup est simplement un algorithme d'interclassement. La notation de vos différents textes, de votre projet motivé ou appelé encore lettre de motivation, le descriptif de vos activités en bénévolat, etc. Donc, tout cela est noté à partir du premier critère, intérêt pour les questions sanitaires et sociales. Voilà. Deuxième critère, vos qualités humaines et capacités relationnelles. Donc, cela rejoint évidemment l'engagement citoyen, le bénévolat, etc.
vos compétences en matière d'expression écrite et orale et la maîtrise, évidemment, d'une langue étrangère, attention, l'aptitude à la démarche scientifique et vos compétences organisationnelles et votre savoir-être. Voilà les critères à partir desquels vous serez noté. Cette notation s'articule à partir d'une grille sur 10 qui souligne 1. La diversité des expériences, de vos expériences, la quantité de vos expériences et la qualité de ces expériences. Les deux notes seront donc cumulées, à savoir la notation de votre dossier donc scolaire et les documents rédigés. Alors voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons pris la rubrique activités culturelles et sportives pour vous donner une idée de comment fonctionne Parcoursup de l'intérieur. En l'occurrence, le candidat, dans le cas présent, pour décrire ses activités culturelles et sportives, a noté, je cite, mes activités culturelles sont diverses. J'aime bien lire surtout des romans. J'apprécie Guillaume Musso. Je vais souvent au cinéma et quelquefois au théâtre. J'ai visité plusieurs pays avec mes parents, ce qui m'a permis de pratiquer l'anglais. Je pratique le handball en club. Je fais également du jogging pour me maintenir en forme. De temps en temps, je fais de la pâtisserie. Je cuisine surtout pour recevoir des amis. Il s'agit de moments de convivialité. Bon. Là, nous sommes confrontés, dans le cas présent, à un individu qui naïvement, je dis bien naïvement, décrit ce qu'il est. Le problème, c'est que si nous notons sa description du point de vue des 5 critères, intérêt pour les questions sanitaires et sociales, difficile de noter. Qualités humaines et capacités relationnelles, bon. Il fait de la pâtisserie ou elle fait de la pâtisserie, mais on ne va pas aller très loin. Aptitude à la démarche scientifique. Vous voyez, une aptitude à la démarche scientifique dans le descriptif de ses activités culturelles, pas moi. Donc, c'est là que vous comprenez toute, je dirais, la subtilité de Parcoursup. Il va falloir bien évidemment rédiger le descriptif de vos expériences, mais en gardant évidemment toujours en perspective les attendus, c'est-à-dire les critères. Je vous propose un exemple numéro 2. Aimant le sport, j'ai pendant longtemps pratiqué le judo. Ce sport m'a appris le dépassement de soi et l'exigence. Aussi, ma ténacité et ma détermination m'ont permis de participer à de nombreuses compétitions régionales et nationales. Et j'ai pu à 2 fois avoir la possibilité d'être sélectionné, de participer au championnat de France. J'ai toujours eu pour habitude de visiter les musées et le patrimoine des pays que nous avons eu la possibilité de visiter avec mes parents. Cela donne une ouverture d'esprit, l'envie de découvrir d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement, d'autres religions. Par ailleurs, je pratique la sophrologie, la cohérence cardiaque qui me permet d'apaiser les tensions lorsque je reviens des pompiers, sous-entendu. La personne est pompier volontaire et qu'une situation a été compliquée. J'apprends la langue des signes sur Internet car je pense qu'il y a encore à faire pour aider les personnes en situation de handicap. Le handicap est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a encore beaucoup à réaliser pour leur permettre d'avoir une vie plus facile et moins stigmatisée. Prenons donc ces 2 cas de figure et bien évidemment, essayons de les noter au regard des critères que nous avons donc vus précédemment, tant du point de vue qualitatif, quantitatif. Bien évidemment, dans le cas présent, vous avez compris, l'exemple numéro 1 obtiendra 4 sur 10, 3 sur 10, et l'exemple numéro 2, 6 ou 7 sur 10. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'exemple numéro 2, par rapport aux attendus que nous avons donc examinés précédemment et la grille de notation, l'exemple numéro 2 est de toute évidence supérieur. Cette note est réintroduite à l'intérieur de Parcoursup et Parcoursup va tout simplement interclasser toutes les candidatures à partir des notes. Donc,
Nous avons bien ces six descriptifs à rédiger. Je vous en ai donné deux exemples. Pour chaque rubrique, il va falloir donc produire un texte qui correspond aux attendus et ce texte sera noté sur 10. En ce qui concerne donc le cas d'Alexis Joubert, celui-ci a fait appel à nos services et c'est moi-même donc qui ai supervisé ce dossier. Alexis Joubert a commencé la rédaction de son dossier Parcoursup en classe de première, c'est-à-dire qu'il a choisi l'option classe de première et je dis bien dès la classe de première, nous avons entamé donc cette rédaction. Au total, nous avons cumulé entre 15 et 20 rendez-vous. Et parallèlement, nous avons inscrit Alexis Joubert à plusieurs programmes de formation en ligne, permettant justement de débuter les cours de première année avant de rentrer en première année, durant la terminale et la classe de première. Nous l'avons également invité à s'inscrire, c'est nous qui nous en chargeons en lui montrant les différentes possibilités, dans des programmes de formation et qui, je dis bien, ont pour, je dirais, conséquence de mieux comprendre et connaître le métier d'infirmier. Et donc, cette démarche, évidemment, a été accomplie par Alexis avec notre soutien et ce soutien passe également par le choix des régions. Car à l'intérieur des différentes régions en France, on peut constater, premièrement, qu'il n'y a pas le même nombre d'IFSI dans chaque région et que le taux d'accès n'est pas le même. Si nous prenons, par exemple, donc la région Centre, nous avons un taux d'accès en école infirmière de 38,84%, alors qu'en Provence, il est de 15%. En d'autres termes, vous avez deux fois plus de chances d'intégrer un IFSI dans la région Centre qu'à Marseille. Nous lui avons également conseillé des IFSI, compte tenu qu'il a un bac ST2S, où le bac ST2S est privilégié, car nous disposons bien évidemment des pourcentages par bac et par IFSI. Donc, il faut évidemment faire un travail relativement conséquent pour faire correspondre, eh bien, tout simplement la candidature du candidat qui a un bac ST2S avec les attendus, car nous avons vu ensemble les attendus nationaux, mais ces attendus nationaux se déclinent à partir d'attendus locaux, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque IFSI. Donc, si nous prenons par exemple le bac ASSP, le bac professionnel. Dans certains IFSI, vous aurez un pourcentage de bac ASSP recruté relativement faible, puisque en général, ce pourcentage est faible en ce qui concerne l'ASSP. Et évidemment, il y a quelques exceptions avec des pourcentages autour de 14%. Et bien évidemment, il faut privilégier ces IFSI et ça, nous nous en chargeons. On a parlé de l'algorithme, nous avons évoqué ce terme barbare et vous l'avez compris, à partir de cette analyse que j'essaye de conduire pour vous permettre de clarifier véritablement ce fonctionnement, donc vous l'avez compris, Parcoursup ne note pas. C'est la notation sur 10 des 6 documents, c'est l'appréciation du professeur principal et du chef d'établissement. Voilà ce qui est déterminant. Donc, Parcoursup est simplement un outil d'interclassement. Alors, sachez au passage que cet outil, cet algorithme, date de 1962. En fait, c'est deux mathématiciens, Gale et Chapley, qui ont inventé cet algorithme que l'on appelle l'algorithme des mariages stables. Parcoursup, en fait, marie un candidat qui souhaite intégrer une école avec une école qui recherche des candidats, d'où l'idée de mariage stable. Donc, ce qui est spécifique, dirons-nous, à Parcoursup, c'est le fait que le recrutement à l'intérieur donc de chaque école se fait à partir de trois quotas. Trois quotas de 33%. Vous avez premièrement les néo-bacheliers, c'est-à-dire ceux qui passent le bac durant l'année scolaire. Les réorientations, c'est-à-dire ceux qui l'année dernière ont obtenu le bac et qui ont fait une année de STAPS, de psychologie,
go, de LastPass, peu importe, et qui souhaitent se réorienter, et les personnes adultes sur Parcoursup, une personne adulte à plus de 26 ans, qui souhaite retourner à l'école ou changer de métier. Donc, il faut bien comprendre que votre candidature, si vous êtes âgé de 17-18 ans, en train de passer un bac ST2S, eh bien, vous ne serez pas en concurrence avec celui qui a fait une année de LAS ou PASS l'année dernière, ou la personne adulte qui change de métier, puisque les trois quotas sont cloisonnés. Donc, je dis bien, il n'y a pas de concurrence entre ces trois typologies de candidats, et c'est un point évidemment d'une importance capitale. Ces quotas sont complétés, les trois catégories que je viens d'évoquer, par un pourcentage d'étudiants boursiers prioritaires jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que vous avez certains IFSI qui ont un quota de 7% de boursiers prioritaires. Donc, une règle à l'intérieur donc de Parcoursup. Et les étudiants locaux, c'est-à-dire si vous candidatez dans un IFSI à Saint-Étienne et que vous habitez Saint-Étienne, vous êtes prioritaire, donc jusqu'à 30%. Donc, ces priorités, ces classements, ce classement est opéré par l'algorithme. Néanmoins, je le répète, la notation des documents et du dossier n'est pas opéré par un algorithme. Alors évidemment, le cas d'infirmier est complexe puisque vous pouvez intégrer une école infirmière en déposant un dossier sur Parcoursup, évidemment, nous l'avons vu, mais vous pouvez également passer un concours car il existe toujours un concours, ou plutôt un mini-concours, puisqu'il est constitué d'une épreuve de 30 minutes de mathématiques, 30 minutes de rédaction et 20 minutes à l'oral. Mais ce concours est réservé aux personnes disposant de 3 années d'expérience en tant que salarié dans n'importe quel domaine. Donc, en d'autres termes, si vous n'avez pas le bac, je répète, si vous n'avez pas le bac et que vous avez travaillé pendant 4 ans à temps complet en tant que caissier ou caissière à Auchan ou chez Leclerc, vous pouvez passer le concours et intégrer l'école infirmière, je répète, sans le bac. Alors, évidemment, vous avez le cas de la personne qui a un bac ou un DAU, A ou B, qui, donc, à 3 années d'expérience, soit en tant qu'aide-soignante, soit en tant que commerciale, etc., avec le bac. Et dans ce cas-là, la personne pourra candidater à la fois sur Parcoursup et à la fois au concours. Donc, si nous prenons une personne qui habite à Marseille, qui a le bac, qui a 30 ans, qui a travaillé pendant 4 ans chez AXA Assurance, qui démissionne, donc cette personne pourra déposer son dossier sur Parcoursup et passer le concours. Au mois de juin, cette même personne est retenue sur Parcoursup et réussit le concours. Donc, ça signifie qu'elle devra se désinscrire de Parcoursup, puisque si elle ne se désinscrit pas de Parcoursup, eh bien, elle va prendre 2 places. Voilà le fonctionnement. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, une école d'infirmière, si nous prenons une promo de 100 élèves, ça signifie qu'à l'intérieur d'une promo de 100 élèves, nous aurons 30, 33 jeunes néo-bacheliers, 30 personnes en réorientation et une trentaine de personnes en reconversion. C'est là où intervient évidemment l'algorithme. Car si dans certains, une des trois catégories, il n'y a pas le nombre de candidats, alors l'algorithme va interclasser et piocher et prioritiser. Évidemment, ce système est, je dirais, connu et à disposition. Il vous suffit de lire la loi ORE. Ça fait 90 pages, puisque tout est bordé d'un point de vue juridique et le fonctionnement est expliqué. Tout ce que je viens de vous décrire, en fait, je ne l'ai pas inventé. J'ai tout simplement passé des heures et des heures à décrypter la loi ORE, donc, qui régit évidemment le fonctionnement de Parcoursup et pas simplement Parcoursup. Avec le site www.parcours-postbac.com, vous aurez la possibilité, comme Alexis Joubert, de disposer, un, d'une plateforme BIS, c'est-à-dire que nous avons cloné la plateforme Parcoursup. Donc, vous pouvez taper vos textes sur une plateforme interne qui nous appartient. Votre dossier sera intégralement réécrit par un tuteur. Vous pourrez suivre des cours de première année
en direct tous les mercredis durant votre année de première ou de terminale, avec replay si vous êtes absent. Le nombre de rendez-vous où nous reformulons, où nous cherchons le bon argument avec le candidat en direct, ce nombre de rendez-vous est illimité. J'insiste, il est donc illimité. Et vous disposez donc d'une hotline, c'est-à-dire la possibilité de joindre un de mes collaborateurs ou moi-même tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 19h30 si vous avez une question, qu'il s'agit d'une question relative à Parcoursup. Et dans le cadre de cet accompagnement, pour chaque candidat, vous bénéficiez d'un bilan d'orientation. Le bilan d'orientation est crucial puisqu'il permet à la fois de déterminer, un, les vœux, deux, les écoles infirmières, trois, à l'intérieur des écoles infirmières, celles qui correspondent le mieux à votre profil et à votre baccalauréat. Donc, il y a véritablement une optimisation de vos vœux, de vos sous-vœux, à partir d'un véritable bilan d'orientation qui dure 1 heure. Bien évidemment, compte tenu que le nombre de rendez-vous avec chaque candidat que nous accompagnons est illimité, nous avons un nombre de places, cela va de soi, limité, puisque, je le répète, à partir du moment où vous inscrivez, vous bénéficiez donc d'un appui, soit à partir de la classe, pardon, de première, soit à partir de la classe de terminale. Si vous habitez à l'étranger, nous avons également une option internationale. Nous avons trois options. Une option accompagnement, aide et rédaction pour les néo-bacheliers, pour enfin, tous les candidats inscrits sur Parcoursup avec bac en réorientation ou néo-bachelier, pour les personnes habitant à l'étranger, dom-tom ou n'importe quel pays hors de l'Hexagone, et une option à partir de la classe de première. Vous pouvez me retrouver donc à ce numéro ou en vous rendant directement sur parcours-postbac.com. Si vous souhaitez avoir des renseignements concernant le concours, puisque j'ai évoqué le concours, dans ce cas-là, il vous suffit d'aller sur parcoursupbac.fr, puisque .com, c'est 100% Parcoursup, et .fr, c'est le concours, et vous avez également certaines informations concernant Parcoursup. Donc, bien évidemment, en termes de constance de résultats, depuis les 2 dernières années, nous avons obtenu 90% de réussite. Alors, qu'est-ce que ça signifie, 90% de réussite? Ça signifie que 90% des personnes que nous avons accompagnées ont obtenu au moins un vœu. Point. Sauf que, au niveau des 90%, nous avons par candidat une moyenne de 12 sous-vœux acquis. En d'autres termes, 9 candidats sur 10 ayant suivi cet accompagnement obtiennent en moyenne 12 sous-vœux hors bac pro. Nous n'avons pas comptabilisé les bac pro. Donc, cette année, cet accompagnement, Alexis Joubert, donc, l'a suivi et a obtenu 67 sous-vœux validés sur 70. En fait, ce n'est pas 67, mais 70. Pourquoi? Puisque lorsque Alexis a validé l'IFSI à côté de chez lui, il lui restait encore 3 sous-vœux en attente, de 67 à 70, et les 3 sous-vœux en attente, il était classé entre 10 et 17 à J-3 semaines. En d'autres termes, s'il avait attendu les 3 semaines, ce n'était pas nécessaire, puisque lui voulait un IFSI particulier à côté de chez lui, ça signifie qu'il aurait été recruté tout simplement dans les 70 IFSI. Donc évidemment, à partir du moment où nous partons du principe que nous avons rédigé ce dossier avec lui, ce dossier sera à disposition sur notre plateforme, puisque en bénéficiant donc de cette inscription sur parcourspostbac.com, vous avez des exemples réels, dont celui d'Alexis, des tutoriels et surtout le fait de pouvoir retrouver un de mes collaborateurs ou moi-même toutes les semaines afin de rédiger ensemble et de vous indiquer comment faire. Cela a marché avec évidemment Alexis. C'est le record puisque c'est le plus grand nombre de vœux retenus sur Parcoursup. C'est la palme d'or. Donc, si vous souhaitez faire comme lui, c'est très simple. Vous pouvez donc nous retrouver sur parcourspostbac.com ou en nous joignant directement à ce numéro. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.